Déjà vainqueur il y a 2 ans, le Belge Maxime Othom s'impose une nouvelle fois au tournoi futur de Feucherolles. Opposé en finale au Français Jocelyn Wana, illustre tombeur de Marat Safin à Roland-Garros en 2009, le Louviérois remporte la rencontre 7-6-7-5. Légèrement blessé, Wana a tenu à disputer la finale, mais a clairement souffert dans ses déplacements. Je savais qu'il avait un peu mal à la cuisse, donc j'essayais de le faire bouger, mais il frappait tellement fort que des fois je voulais juste la mettre dedans et c'était pas assez. Et bon, les coups qu'il a tentés, il en a mis beaucoup dedans, donc c'est vrai que c'était pas facile même blessé. Donc j'ai essayé d'être solide et bon, à la fin il a un peu craqué, que les derniers jeux étaient un peu plus faciles, quoi. C'est vrai que quand on joue, c'est toujours pour gagner, même si je sais que les futurs c'est quand même les plus petits tournois, je dirais, ATP. Maintenant il y a des très bons joueurs, donc c'est jamais facile de les gagner, donc je suis quand même très content d'avoir gagné aujourd'hui. Vainqueur pour la 2e fois en 3 participations, Maxime Othom gagne 13 places au classement ATP pour être désormais 308e joueur mondial. Jocelyn Wana est lui 271e.